ces personnages d'eau et de feu, j'ai pas réussi à les quitter. J'ai bouclé leur histoire puisque finalement Kate et Scott, ça va aller. Mais j'avais encore tellement de choses à dire parce que ils avaient tous pris une place, les fils d'Amélie, Scott, Kate, autour d'Angus, il y a sa sœur Moira, il y a le cousin David. Ces personnages, je les trouvais riches et ils n'avaient pas tout dit. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et sûrement, c'est ça que le lecteur va se demander, mais où vont-ils ces gens-là? Que sont-ils devenus? Et j'ai repris la plume avec vraiment une béatitude, une jubilation en me disant, alors, quelques années se sont passées, je les prends quelques années plus tard. Kate et Scott sont mariés, ils ont eu des jumeaux. Ils vivaient à Glasgow, dans leur appartement qui commence à trouver un petit peu petit. Ils sont allés trois, ils retournent à Gillespie, en sachant que la cohabitation n'était pas vraiment très très facile avec la belle-mère. Mais maintenant qu'il y a les petits-enfants, ça arrange tout. Parce que finalement, Angus et Amélie se retrouvent être les grands-parents des mêmes petits-enfants. Dans les veines de ces petits-enfants, coulent leurs 200 à eux. Donc, quelque part, la famille va bien. Et ça, c'est le début du deuxième tome. La famille va pas mal. L'un des frères, George, a pris la direction de la filature. L'autre, Philippe, vit à Édimbourg et commence une carrière de dessinateur. Scott, qui, à la tête de ses distilleries, a décidé de faire une autre tranche d'âge. Il fait un 15 ans d'âge et ça va bien. Il arrive sur le marché, son whisky, il est bien. Donc, au début de ce deuxième tome, tout va bien. Sauf que très vite, il va y avoir quelques incidents. D'abord, il y a John qui est toujours à Paris, marié à Betty. Et John a appris qu'il était séropositif. Il n'a pas osé le dire à sa femme. Il appelle sa sœur au secours. Kate va faire un voyage à Paris. Elle va prendre les choses en main. Oui, John est séropositif, c'est vraiment dramatique. John n'a toujours pas réussi à faire sa vie. Il n'a pas de métier. C'est vraiment le boulet de la famille. Donc Kate rentre en Écosse un petit peu angoissée pour son frère. Son frère, malheureusement, et Scott, ça ne va pas du tout. Et au milieu de tout ça, qui commence à aller moins bien que ce que l'exposition du début du livre pouvait laisser entendre, le soir de Noël, Angus a une crise cardiaque et il meurt. Il meurt le soir de Noël et c'est une absolue tragédie dans cette famille parce que Angus c'était quand même le pilier, le chef du clan. C'est grâce à lui que tout ça tenait, que cette famille recomposée avait malgré les dissensions réussi à s'entendre. Angus disparaissant, il va s'ouvrir un truc terrible qui est la succession. D'événement en événement, la famille va à nouveau se déchirer et j'ai quand même essayé de faire une fin heureuse parce que c'est bien quand il y a une fin heureuse.